On va vous parler de Watchghost, qui est un serveur de monitoring d'écrit en Python en asynchrone. On va commencer par se présenter. Donc, je m'appelle Arthur Guyard. Je travaille dans une entreprise qui s'appelle Agebank, qui fait essentiellement des développements web sur mesure. Donc, par ailleurs, il se trouve qu'on héberge certains des services qu'on développe. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'un service de monitoring. Alors, j'ai mis les deux ensemble. Bonjour, donc Samira Rabahi. Pour ma part, je travaille chez COSEA. COSEA qui propose notamment des plateformes à destination des professionnels de santé. Et donc, on fait du Python. Donc, on va vous parler de Watchghost, vous expliquer un petit peu pourquoi Watchghost, pourquoi est-ce qu'on en a eu besoin. On vous présentera les fonctionnalités, puis ensuite l'installation, la configuration. On parlera un peu technique. Si on a le temps, on fera une démo et puis on vous parlera de la suite de ce projet. Donc, commençons par Watchghost. Watchghost est issu d'un collectif d'entreprises lyonnaises. À la fois Agebank et COSEA font partie de ce collectif. Donc, le collectif s'appelle Local Ghost. Ça a émergé en fait. Des meet-up Python, parce que du coup on était plusieurs entreprises de développement qui font de l'hébergement. Et du coup on a commencé à discuter en fait de différentes techniques, différents services. On a sorti un petit peu ces discussions des rencontres Python. Et on a créé ce collectif Local Ghost, donc c'était déjà il y a peut-être 2 ou 3 ans, je ne sais plus. Notre besoin autour du monitoring, c'était surtout d'avoir quelque chose de simple et basique pour la surveillance de services réseau. En particulier, avoir une configuration légère à écrire, l'ensemble du processus soit d'exécution assez légère. Et qu'on n'ait pas d'agent à installer sur les serveurs sur lesquels sont hébergés les services. Donc en fait, historiquement, on avait, donc chez COSEA c'était Nagios, chez Agebank c'était Shinken, et les deux en fait font preuve d'une complexité d'installation et de configuration assez forte. Et puis on a aussi noté des lourdeurs d'exécution qui étaient difficiles à débugger et qui nous semblait un petit peu bizarre vu nos échelles dans la supervision, dans le monitoring. Et puis donc le côté sans agent, c'était pour pas avoir à installer quelque chose encore en plus sur les serveurs et puis éviter la complexité d'installation. Donc l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose simple et basique et qui répond à ce besoin. Donc en termes de fonctionnalité, voilà ce qu'on a défini dès le départ. Donc l'idée, c'est de tester le fonctionnement d'un service réseau au sens large, et surtout le bon fonctionnement, d'être alerté quand il y a quelque chose qui se passe mal ou quand il y a quelque chose qui redevient dans le bon état. On voulait aussi avoir une console web un petit peu moderne qui se mette à jour en temps réel. Donc voilà, la console web, l'idée c'était qu'on ait les modifications d'état au fur et à mesure de leur apparition. Donc Watchghost, je vous parlais de la partie un peu plus technique. Donc Watchghost, c'est codé en Python 3, donc compatible 3.5 et version suivante. On s'est basé sur le framework web Tornado, donc un framework asynchrone. Donc l'intérêt, c'est d'avoir quelque chose d'efficace. On peut avoir quelque chose d'efficace pour faire des requêtes. Merci. Et de faire un framework assez léger. On va pouvoir utiliser l'aspect non bloquant au niveau des requêtes qu'on va effectuer. Et l'autre intérêt aussi de Tornado, c'est qu'on a la partie WebSocket qui est intégrée. On utilise également Async.io, qui est dans la librairie standard de Python.
Et enfin, on utilise également d'autres librairies, IO FTP et A5 SSH, par rapport à ce qu'on va surveiller au niveau des serveurs. Donc au niveau de l'installation, donc on peut installer le paquet, il est dispo sur PyPI, donc pip install classique. Il est également disponible pour Arch Linux. Et pour lancer WatchGhost, donc on a le petit script à lancer, on a juste à faire l'édition aussi de la configuration pour pouvoir y intégrer les différents serveurs qu'on veut surveiller et les différentes actions et services qu'on veut faire. Et ensuite, on le lance la console dans un navigateur. Donc au niveau de la configuration, donc on va configurer grâce à des fichiers JSON, on va retrouver les quatre types d'objets qu'on va mettre en place. Donc on va avoir les serveurs qui vont être groupés, et ensuite on va avoir les différents watchers et ce qui va nous permettre de loguer les actions, enfin ce qui a été vérifié. Donc on a le premier fichier, donc là on a le serveur qui va être identifié par un nom qui est son identifiant unique pour lequel on va y mettre l'IP, son IPv4 et V6 si elle est disponible. Donc là on a un exemple avec deux serveurs. Ces serveurs, on peut ensuite les regrouper. Donc on a le hall où on va avoir tous nos serveurs et puis on peut y mettre d'autres groupes pour justement faire des actions de surveillance spécifiques sur tel ou tel groupe. Et ensuite, on va configurer les watchers. Donc les watchers, c'est ce qui est responsable d'une action de surveillance. On peut donc l'appliquer soit à un serveur en particulier, soit à un groupe de serveurs. C'est ce qu'on voit ici. Par exemple, on va pinguer tous les serveurs avec l'IPv4. Et concernant un serveur en particulier, ici le localhost, on va pouvoir tester directement, par exemple, là, localhost 8000. Donc là, c'est un extrait de ce qu'on a comme configuration au niveau des watchers, parce qu'on peut surveiller de nombreux services. Donc, on a vu le ping et HTTP, mais également FTP, Secure Socket, SSH et Shell. Et ensuite, chaque watcher peut être configuré, c'est-à-dire qu'on peut définir une fréquence, une période durant laquelle la surveillance va s'effectuer, par exemple, vérifier des serveurs à une certaine plage horaire, les essais avant de remonter une alerte, parce que des fois, on peut avoir juste une courte indispo qui peut être liée à un problème réseau, et donc on peut définir un certain nombre d'essais avant de remonter une alerte, et certains statuts spécifiques, par exemple, on peut vérifier que certaines erreurs, comme une erreur 500 en particulier, par exemple. Et enfin, on va avoir les loggers, donc il va être un système d'alerte ou de logging. Donc on a par défaut la console de WatchGhost, la console web, c'est ce qui apparaît ici. Mais on peut aussi paramétrer l'envoi de SMS ou l'envoi d'email lorsqu'il y a une alerte à remonter. Donc là, je vais laisser Arthur faire une petite démo. Alors attends, je vais peut-être m'asseoir. Donc là, je vais juste créer un environnement virtuel rapidement pour tester l'installation. Donc pip install WatchGhost. Donc ça s'installe. WatchGhost-server, bon, j'ai lancé dans un autre process avec mes données, ma conf de Nemo. Mais voilà, le binaire, enfin l'exécutable est directement accessible après l'installation. Et donc ici, on se retrouve avec cette interface web là qui correspond à la configuration qu'on a définie. Donc on retrouve nos deux serveurs, localhost et afphost. Les services qui sont OK apparaissent en vert. Les services qui ne sont pas OK apparaissent avec un fond en blanc sur un fond rouge. Et du coup, on a
aussi la possibilité de voir assez rapidement que ben, là, le service, il est passé du rouge au vert. Donc ça, c'est vraiment quasiment en temps réel. Et donc, quand on clique sur un service en particulier, on va avoir tous les... Tiens, il y a un bug. Tous les détails, toutes les infos sur qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a comme résultat, le code HTTP, etc. Donc de la même manière pour le ping, on aura des infos un petit peu différentes parce que du coup on utilise la commande ping pour réaliser ce check. Là, j'ai configuré un nom de domaine qui n'existe pas et donc il me dit que le certificat n'a juste pas été, enfin, n'est pas valide pour ce nom de domaine, ce qui est correct. Et donc, si j'arrête à nouveau mon petit serveur, ça passe très rapidement au rouge. C'est pas revenu. Hein. Non. Okay. On va continuer comme ça. En ce qui concerne la suite du projet, donc on va améliorer. La partie web, donc notamment en implémentant une API REST, puis une console en Vue.js. Donc la console en Vue.js, c'est déjà celle que je vous ai présentée à l'instant. La console qui est actuellement disponible avec le projet est un petit peu plus brute, mais a quand même le côté modification en temps réel des états. On va essayer aussi de nettoyer un peu le code parce que pour l'instant ça a été c'est du code asynchrone mais qui a été fait par des gens qui apprenaient l'asynchrone aussi et puis avec du coup des parfois un petit peu de complexité inutile donc on va essayer de simplifier un petit peu ça et puis on va essayer de changer quelques termes qui nous plaisent pas trop. Ensuite, WatchGhost fait partie en fait, d'un ensemble d'outils qui sont en cours de développement, dont l'un d'eux qui s'appelle BroCost. L'objectif, c'est de fournir une interface qui va pouvoir nous permettre de visualiser l'état de plusieurs services. Donc là, c'est une photo d'une réunion de travail justement pour essayer de définir l'interface qu'on pourrait mettre en place pour qu'elle soit utilisable aussi par des non-techniques. Et toujours... Justement, un des points qui nous permettrait de mettre en place aussi cette interface, ce serait d'implémenter une database time series, donc d'écrire un logger qui va nous permettre cette fois-ci d'historiser tous ces états, toutes ces mesures pour pouvoir justement les afficher dans BroGhost. On a profité d'ailleurs de cette picon pour faire mumuse un petit peu avec Nuki, qui est une database time series en Python. Et je crois qu'on a fait le tour. Voilà. Merci. Du coup, on a le temps pour des questions. Oui. J'ai une question toute bête. Ça surcharge pas trop les services, du coup, de mettre Donc la question c'est est-ce que ça surcharge pas les services qui sont monitorés? En fait on l'utilise sans être trop taquin en fait face au service. C'est-à-dire que je pense moi les checks les plus fréquents, je les fais toutes les minutes parce que en fait j'ai pas besoin d'avoir quelque chose de plus fréquent. Là sur la démo, le check il était toutes les deux secondes. Histoire de montrer le côté un peu réactif. Mais je pense
que c'est juste quelques requêtes au final, donc ça reste quand même assez léger. Après, effectivement, moi j'ai quelques checks qui passent par SSH qui sont un peu lourds. Du coup, il faut effectivement pas faire n'importe quoi quand on fait des vérifications. Alors, ouais. Alors la question c'est, est-ce qu'on utilise test infra? J'ai eu vaguement connaissance du projet, mais non, je ne l'ai pas utilisé. Tu connais toi? Ah non, pas du tout. Samira non plus ne connaît pas. Alors il y avait une question là-haut. Ouais, c'est si du coup WatchBust tombe, comment on monitor le moniteur? Il faudrait un service de monitoring pour surveiller le service de monitoring. Non, en fait, moi j'ai un onglet en permanence dessus dans mon navigateur et je le vérifie fréquemment. C'est un peu trop méta de commencer à se poser cette question-là, on s'est dit qu'on n'en avait pas besoin. Oui. Ouais. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez en idée dans le roadmap? Alors non. Ah oui, répétez la question. Donc la question c'était, un des intérêts de Shinken est de faire du monitoring en décentralisé, et est-ce qu'on a prévu ça dans la roadmap? Donc non, on n'a pas prévu ça dans la roadmap parce que en fait nous notre besoin ne correspond pas à ça, et notre envie c'est de rester très simple. Et de fait, si on commence à décentraliser, ça va rendre le projet beaucoup plus compliqué. Tu veux répondre des fois? Oui, non, je t'en sors bien. Ouais. Ouais, tu veux répondre à celle-là ou non? Ok. Donc la question c'est, est-ce qu'on, dans le système de notification, enfin d'alerte, est-ce qu'on a prévu des cas où, ben, des cas un peu plus intelligents que juste binaire, ça marche pas? Donc la réponse c'est non. On n'a pas trop prévu ça. Car ben c'est pareil, ça va complexifier beaucoup, beaucoup le projet, et ça ne correspond pas du tout à notre besoin. Le besoin, c'est vraiment de faire quelque chose de simple, d'installer facilement, rapidement, configurable facilement, et d'éviter d'avoir des notions trop complexes. C'est vraiment l'idée, c'est de mettre le pied dans le monde du monitoring, démarrer facilement, quoi. Je te donne. Ah, une petite question. Ah. Merci pour la presse et pour le concept outil. Est-ce que si tu veux rajouter un check, je ne sais pas, je vérifie une connexion Redis, il y a IO Redis, est-ce que ça aura sa place dans le logiciel ou est-ce qu'il y aura un menu avec des plugins? Alors ça, pour l'instant, on n'a pas... Répète la question. Merci. Donc la question, c'était, est-ce qu'il y avait, par exemple, un mécanisme pour intégrer des plugins tels que IO Redis, c'est ça, hein, si j'ai... notamment. Pour l'instant, on n'a pas prévu de système de plugins. C'est vrai que c'est intéressant, pourquoi pas. C'est vrai que là, on a, par exemple, ajouté tout ce qui était FTP, SSH, c'était ce qu'on utilisait. C'est effectivement peut-être quelque chose à réfléchir. Après, toujours en restant, si possible, dans quelque chose d'assez simple. Moi, je ne sais pas si tu as quelque chose d'autre à ajouter. Non. Bon, ben voilà. Mais, je n'aurais pas dit mieux. Merci. Bon, ben. Eh ben, merci. Merci.